Nous voici dans une des clairières de la forêt qui débute notre parcours extérieur du musée. Ce lavoir très ancien aurait une origine gallo-romaine. Bien qu'il soit éloigné du village de Ranvais, ses habitants l'ont de tout temps utilisé et même préféré aux nombreux lavoirs du village. On dit que l'eau y est plus claire et plus douce, et sa situation en forêt permettait aux enfants d'aller chercher du bois mort et des baies pendant que les femmes lavaient le linge. La source qui le fournit en eau aurait des vertus miraculeuses. Le pressoir à pommes sous l'abri montre combien les fruits étaient nombreux en forêt. On trouve encore en forêt des Ardennes des pommiers et des poiriers sauvages. Cette machine à vapeur, qui date de 1900, nous vient d'une scierie de la région de Laon. Elle actionnait un banc de scie industrielle et tournait encore dans les années 1950. Les machines à vapeur furent d'autant plus utilisées dans le domaine forestier qu'elles furent le premier mode d'énergie pouvant actionner des scies mécaniques. L'industrialisation et l'évolution des modes de communication avançaient à grands pas. Et cela impliquait des besoins toujours plus importants en bois, particulièrement pour la fourniture de traverses de chemin de fer. Thank you.
un sabot qui ne faisait pas de bruit. Les patates tombent du plateau qui est là, maman. Et chouchouter.